Bonjour. Alors, moi, c'est François Joly. Je coordonne Ciné Karma pour la Carmagnole avec ces deux experts du cinéma militant, Amit et Jacques, avec nous ce soir. Permettez-moi de mentionner en passant que la Carmagnole s'est investie depuis début mars dans une initiative de distribution alimentaire les lundis et vendredis au 10 rue Haguenau, quartier Figuerol, à Montpellier, en partenariat avec la Banque alimentaire. N'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Alors, Ciné Karma est un événement mensuel gratuit qui a lieu dans les locaux de la Carmagnole depuis 2 ans. C'est la première fois que nous diffusons en ligne, et espérons-le pendant aussi longtemps que les projections publiques seront confinées et que la technologie nous le permettra, bien sûr. Je vous présente les programmateurs et le réalisateur du film de ce soir. Pour commencer, Amit Belisha, qui va nous donner quelques précisions techniques sur la façon de participer au débat à l'issue de la projection. Ensuite, il y aura Jacques Choucroun, professeur de cinéma, historien, distributeur du film de ce soir au cinéma, avec les films des deux rives. Enfin, Olivier Azam, réalisateur du film de ce soir, avec Daniel Mermet, et aussi producteur avec la SCOP Les Mutins de Pangée. Nous les remercions d'avoir offert la projection de ce soir, et nous espérons, ici à la Carmagnole, entretenir une longue relation avec eux. Amit, veux-tu nous dire un mot sur le film et le débat qui suivra? Alors, oui, un mot. Alors, sur le film, Jacques en parlera. Je voudrais juste compléter les remerciements en remerciant François Joly qui vient de nous faire la présentation, parce que c'est François qui était à l'initiative de cette projection de ce soir, et donc grand merci. Pour les aspects techniques, cette présentation que vous êtes en train de voir est enregistrée. Le débat qui va suivre le film, lui par contre, sera en direct à la fin du film, environ vers 21h40. Donc je vous mets en garde, public, soyez à l'heure. Ça veut dire que lorsque vous regarderez le film, dont la projection sera accessible à partir de 20h, il faudra éviter les mises en pause, parce que sinon vous ne serez pas à l'heure pour le débat. Et en plus, si vous voulez, le film disparaîtra de la chaîne YouTube de la Carmagnole environ un quart d'heure ou une demi-heure après la fin de la projection. Donc le débat, lui, sera dans les conditions du direct, mais vous n'aurez pas la possibilité de rejoindre la visioconférence qui est projetée. Vous pourrez par contre poser des questions. Alors, dans la fenêtre YouTube de la chaîne La Carmagnole, à côté du cadre de projection, il y a la possibilité de laisser des commentaires. Donc, vous pouvez laisser vos questions à travers les commentaires. Attention tout de même, cette possibilité n'est offerte qu'aux personnes qui possèdent une chaîne YouTube. Il y a une autre possibilité d'envoyer les questions par mail à l'adresse de La Carmagnole. Voilà, si vous envoyez vos questions, eh bien Boris, qui est derrière, relaiera les questions en direct. Et donc, je laisse la parole à Jacques Choucroun. Jacques, c'est à toi. Bah, écoutez, on a eu l'idée de programmer ce film autour du 1er mai. Certains d'entre vous ont peut-être reçu un petit fragment de ce film qu'on a appelé « Histoire du 1er mai, les mutins de Pangée », parce qu'on l'a envoyé à des centaines, voire des milliers de personnes. Il avait été d'ailleurs programmé en salle pour le 1er mai 2015. Ça m'a valu d'ailleurs une histoire amusante avec un programmateur parisien qui croyait que je voulais avoir cette date pour des raisons de convenance et qui ignorait que c'était américain le 1er mai. Olivier Azam et Daniel Vermet ont travaillé sur Archives et en particulier une interview qui est maintenant un document historique, un entretien de Howard Zinn lui-même. Et donc, le mieux pour en parler, je pense que c'est Olivier Azam qui a participé à toute cette fabrication. Ben, bonjour à tous. Hein. Donc, je suis un territoire connu parce que là, je connais beaucoup de gens dans la bande. Là. Et en plus, comme vous le savez, je suis de Montpellier, hein, les amis. Donc, je suis content d'être là parce que moi, je suis à Paris, confiné. Dans mon appartement, ça va, c'est correct, on peut pas se plaindre. Simplement, c'est vrai qu'il y a souvent, on a envie de venir maintenant dans ce qui s'appelle la zone verte, parce que nous, on est en zone rouge. Alors, à part la couleur qui nous va, juste pour la couleur et le symbole,
C'est pas demain qu'on va pouvoir venir vous projeter des films directement. Ça fait 10 ans qu'on a commencé cette fresque documentaire. Donc Jacques est bien placé pour le savoir, parce que les films des Deux Rives attendent impatiemment la deuxième partie, et nous aussi, de la fresque. Au début, on ne savait pas trop qu'on allait partir sur un chantier aussi long, sinon, comme d'habitude, on ne serait pas parti. Parce que sur un film fait sur 10 ans, ça n'a pas de sens en termes économiques, hein, il faut dire quand même les choses. Mais par contre, on y a pris beaucoup de plaisir. Et d'abord, ça a été la rencontre avec Howard Zinn, que Daniel Mermet, mon co-réalisateur, connaissait lui déjà, parce qu'il avait déjà interviewé en 2003, au moment de la sortie du livre Une histoire populaire des États-Unis en français, grâce aux éditions Agon de Marseille, qui étaient les premiers et les seuls à s'intéresser à ce best-seller qui avait été un gros succès aux États-Unis. Qui a été vendu, on dit toujours, à plus de 2 millions, mais depuis, ça doit être beaucoup plus, au début des années 80. Et donc, le livre, à ce moment-là, a été très important, puisque quelqu'un comme Noam Chomsky, qui était un proche de Howard Zinn, Howard Zinn nous a quittés en 2010, juste après le tournage, mais Chomsky a toujours dit que c'était un petit peu le personnage qui avait changé le regard des Américains sur eux-mêmes. On ne peut pas dire de tous les Américains, mais en tout cas des Américains qui avaient lu le bouquin. Et c'est vrai que ça a été important aux États-Unis, cette vision de l'histoire, qui à l'époque était absolument la vision de lutte des classes. C'est quelque chose qui est totalement original aux États-Unis, plus qu'en France. Et puis surtout une vision par en bas, comme on dit, de l'histoire, c'est-à-dire racontée du point de vue des femmes ouvrières, des Indiens, des Noirs, de tout ce qui constitue la société américaine, mais qui en même temps... n'était jusque-là raconté plutôt que par en haut, c'est-à-dire par les grands hommes, entre guillemets, voilà, l'histoire qu'on dit officielle, ce qui ne veut pas dire qu'on dit officielle que l'histoire est fausse, hein. Simplement c'est le point de vue qui change. Et donc ce qui nous avait intéressé chez Zinn, c'était sa vision à lui, très honnête à mon avis, c'est-à-dire de dire, voilà, moi je vais vous raconter une histoire, il y a un point de vue, j'ai mon point de vue et je le revendique, c'est ma vision d'histoire, mais les faits, évidemment, on travaille sur les mêmes faits, il n'y a pas de discussion sur les faits. Zinn n'exagère jamais les chiffres, n'est jamais dans une surenchère, il ne cherche pas sa démonstration, simplement il raconte, mais il dit dès le départ, voilà, mon histoire, l'histoire populaire que je vais vous raconter, je raconte avec mon point de vue, ma sensibilité, mon expérience, etc. Voilà, donc Zinn, je ne vais pas vous raconter parce que tout est dans le film, simplement vous dire que ce film, c'est une première partie, si vous voulez, donc il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas. Alors, on a fait... je ne sais pas combien de débats, Jacques, on en a fait au moins une centaine, chacun, tout le monde. On a fait, et à chaque fois, on nous posait la question, mais dans votre film, il n'y a pas. Évidemment, par exemple, il n'y a pas toute la question du grand mouvement de libération des Noirs américains. Il n'y a rien sur les Indiens. Parce que tout ça, c'est dans la prochaine partie, puisque on consacre quasiment toute la deuxième partie, parce qu'on ne la travaille pas par chronologie obligatoirement, mais par thème. Et donc voilà, donc les questions. Là, on s'est plutôt intéressé à la question des luttes ouvrières et du tournant de la fin du XIXe siècle, du début de la société capitaliste industrielle, jusqu'après la première guerre mondiale, qui est un tournant énorme dans le rôle que va jouer les États-Unis, que vont jouer les États-Unis dans le reste du monde, puisque pour la première fois, ils vont arriver en Europe à l'encontre de ce qu'ils appelaient la doctrine Monroe, puisque la conquête terminée à l'Ouest. Ben voilà, la conquête économique va commencer. Donc c'est une période très importante de l'histoire, pas seulement des États-Unis, mais du monde, et de finalement, qui est toujours, il me semble, même si ça fait 5 ans qu'on a fait le film, et qu'on parle d'une vieille histoire du fin du 19e siècle, il me semble que c'est quand même toujours des outils historiques qui sont utiles aujourd'hui pour essayer de comprendre les situations. J'ai été un peu long. Merci Olivier. Eh bien, il ne me reste plus qu'à... remercier nos intervenants et à vous, notre audience, que je laisse à présent visionner Howard Zinn, une histoire populaire américaine. Le film donc est accessible à partir de 20h. Soyez à l'heure.